Salut à tous, c'est RM. Sur cette chaîne, vous l'avez vu, contre toute attente, on est plutôt focalisé sur Sega. Après la Saturn et la Dreamcast, il fallait que je vous parle de la troisième console 3D de Sega, à savoir la Xbox, bien entendu, puisque beaucoup de gens déplorent la fin de la Dreamcast en disant « Oh, à quand la Dreamcast 2, à quand le retour de Sega dans le marché des consoles ?» Et ben moi, en fait, si je me suis pris la Xbox, c'est parce que pour moi, je voyais en la Xbox une Dreamcast 2, justement, puisque énormément de licences de chez Sega sont passés du côté de chez Microsoft avec leur nouvelle console, leur première console d'ailleurs. Et on a pu voir des suites de licences de la Saturn arriver sur la Xbox, des suites de jeux Dreamcast arriver sur la Xbox. En fait, la fin des consoles de chez Sega n'a pas stoppé Sega de continuer de faire des jeux, mais il fallait bien les sortir quelque part. Et c'est vrai que sortir la majorité des grosses nouvelles licences, enfin, ou suites, sur la PS2 et GameCube, c'est quelque chose qui se faisait, mais historiquement, Sony et Nintendo ont toujours été les concurrents de Sega. Donc que Microsoft arrive comme ça avec sa nouvelle console, il n'y avait pas, je pense, de rivalité encore trop, surtout que Microsoft avait déjà aidé au développement de la Dreamcast. Vous avez vu, sur la Dreamcast, il y a un petit logo Windows. Donc je pense que c'est dans cette démarche que beaucoup de jeux exclusifs Sega sont sortis sur la Xbox. Et parce que je jouais à la Saturn, et ben quand j'ai vu que la Xbox One allait être rétro-compatible avec la 360, j'étais ah ok cool, mais quand j'ai vu qu'elle allait être rétro-compatible avec la première Xbox, j'étais oh mon dieu, là la Xbox One devient limite une console rétro-gaming. Et sur la Saturn, j'avais pas mal joué à Panzer Dragoon. Et il y a eu un Panzer Dragoon Horta qui est sorti exclusivement sur la Xbox. Et ce jeu là a été annoncé comme rétro-compatible sur la Xbox One. Et je me suis dit, oh, je peux jouer au dernier Panzer Dragoon sur la Xbox One si je me chope le jeu Xbox première du nom, quoi. J'ai trouvé ça génial. Et j'ai commencé à me renseigner énormément sur la Xbox One, sur voir tous les jeux qui étaient rétro-compatibles. Et je m'intéressais au riche catalogue, du coup, qui était maintenant ouvert aux possesseurs de la Xbox One. Mais c'est vrai que moi, j'avais jamais pris une console Microsoft avant ça, parce que j'étais plutôt versé du côté de chez Sony, comme beaucoup de gens en France. Et globalement, je trouvais qu'il n'y avait pas des grosses exclusivités incroyables chez Microsoft. Halo, Gears of War, c'était pas trop mon truc. Et finalement, les jeux multi-support, je pouvais très bien les faire sur la PS3. Et sur la PS3, en plus, il y avait tous les jeux japonais que je ne retrouvais pas sur la Xbox. Donc j'ai jamais senti le besoin d'avoir une console Microsoft. Et pourtant, en 2018, je me suis pris la première Xbox. Je me baisse là pour la ramasser vu le poids que c'est cette brique. Mais ouais, la Xbox One, je me suis dit, génial, je vais pouvoir me faire des jeux, en fait. Maintenant, le catalogue devient intéressant, parce qu'il y a les jeux de la première Xbox, la 360 et la Xbox One, si je me chope une Xbox One. Donc j'ai commencé à me choper quelques jeux de la première Xbox, notamment Panzer Dragoon Horta. J'étais content de enfin l'avoir. Et puis, je me suis dit, une Xbox One, ça reste quand même cher, en fait. Par rapport à ce que c'est, peut-être pas, parce qu'il y a plein de choses à faire dessus, mais j'ai pas plusieurs centaines d'euros à mettre là-dedans. Et vu que j'avais déjà des jeux Xbox, je me suis dit, j'ai pas mieux à faire que direct me choper une première Xbox. Et donc je suis allé sur le bon coin et je me suis acheté la première Xbox. Je sais pas si vous vous rendrez vraiment compte à côté de ma tête, parce que j'ai la grosse tête, donc peut-être que vous verrez pas trop la taille, mais je crois que c'est ma console la plus grosse, en fait. Elle est plus grosse que la PS3, elle est plus lourde, c'est un monstre, c'est un gros bloc que je ne trouve pas très design. Et ouais, non, mais c'est un monstre de puissance, paraît-il. Oh là là, j'ai l'impression que j'allais casser le latte de mon lit en posant la console dessus. Donc je me suis chopé la console, voilà, pas très loin de chez moi. Je suis allé voir un gars qui, en bas d'un bâtiment, m'a vendu ça pour 20 balles. Après, je me suis tapé toute la route à pied. J'ai senti dans mes bras, franchement, que le jeu vidéo, ça musclait, hein, vu le poids de cette bête. Et donc j'ai commencé à me lancer dans les jeux de la Xbox et j'ai commencé à me choper des jeux, et je me suis rendu compte que, bien qu'il y a quelques jeux qui cotent un peu, genre Panzer Dragoon Horta, voilà, on n'en est pas, c'est pas 5€ quoi, mais c'est pas non plus énorme, et je suis allé dans des Cash Express et j'ai commencé à me renseigner sur plein de jeux de la Xbox. Et j'ai entendu parler de Outrun 2, qui est apparemment un très bon jeu de course de chez Sega, justement. Outrun 2 qui était exclusif Xbox, après ses rééditions complètes qui sont sorties sur les autres consoles, mais Outrun 2, premier du nom, et était exclusif à la première Xbox. Et un jeu comme ça, par exemple, dans un Cash Express, c'est 3€. Putain, c'est fou ça.
Puis après, je me suis renseigné sur les autres jeux rétro-compatibles avec la Xbox One. Je me suis dit, bon, bah, je prends des jeux comme ça, je pourrais quand même approfondir ça sur la Xbox One avec des meilleurs graphismes. Je me suis pris Star Wars Republic Commando, rétro-compatible lui aussi, parce qu'en fait, ça a été. En soi, ce jeu, je m'en fous, mais c'est. Ça a été mon premier FPS sur PC, il me semble. Il y a très longtemps, je l'avais lancé, j'étais. Putain! Et je vois cette jaquette, ça me rappelle des souvenirs. Je dis pas que c'est un jeu que j'adorais, mais en tout cas, j'avais envie de me replonger là-dedans et revoir. Ce qui m'avait un peu plu quand même à l'époque sur PC, même si j'ai jamais été vraiment un gros joueur PC, mais bon, intéressant de se refaire ça sur la Xbox. Blinks, parce que c'est en regardant justement plein de vidéos, il disait que c'était un bon jeu de plateforme exclusif de la Xbox là pour le coup, et lui aussi rétro-compatible Xbox One, donc je me le suis pris, mais par contre j'ai pas encore essayé. Je suis un peu embrouillé par la caméra inversée dans certains jeux. Aujourd'hui, tu peux paramétrer le sens de la rotation de la caméra et sur certains vieux jeux, tu pouvais pas le faire, c'était imposé. Et t'es en mode, oh là là, quand c'est en commande inversée par défaut, c'est pas ouf. Prince of Persia, j'avais fait le 2 sur la GameCube. Et le premier a une très bonne réputation, une bien meilleure réputation d'ailleurs. Et je vais souligner finalement un des points intéressants avec la première Xbox, c'est qu'il y a des exclus qui peuvent potentiellement ne pas vous intéresser. Comme moi c'était mon cas, mais finalement quand j'ai vu les exclus Sega, je me suis dit ok, en fait pour moi la Xbox ça serait une console Sega. Mais en prenant la console, finalement je me suis intéressé à toute la bibliothèque vu que maintenant j'avais la console. Et je me suis rendu compte que même des jeux multi-support sont super intéressants à faire sur la Xbox. Je regardais des vidéos sur le YouTube américain et t'en as plusieurs youtubeurs qui disaient que bah, la Xbox était géniale ne serait-ce que pour les jeux multi-support, parce que vu que c'est la console la plus puissante de sa génération, et bah t'avais toujours la meilleure version du jeu en question. Et donc Prince of Persia, je pourrais en plus me le faire sur la Xbox One le jour où je me chopperai une Xbox One. Hein. J'en suis pas encore là, mais au moins j'ai mon petit catalogue qui s'enrichit et en attendant je peux toujours y jouer sur ma Xbox. Puis je me suis pas mal intéressé en fait à cette génération de consoles que je trouve passionnante, qui a débuté avec la Dreamcast. J'avais la GameCube à l'époque, la PS2 je l'ai eu un petit peu après, mais la seule console qui me manquait en fait pour compléter cette équation, c'était la Xbox justement. Sur PS2 j'avais fait Half-Life il y a pas longtemps. Et sur Xbox, bah, c'était exclusif, Half-Life 2, il était pas sur une autre console. Donc je me suis pris Half-Life 2 sur la Xbox. Des chouettes graphismes quand même, tu te dis putain, c'est vrai que sur PS2, est-ce que ça aurait pu tourner convenablement? Je sais pas, mais ça par contre c'est pas rétro-compatible avec la Xbox One, mais bon. C'est quand même pour tester un petit peu, il y a des jeux comme ça, je me dis bon bah autant essayer. Halo, je me suis dit bon, faut bien que je teste la série. Et c'est pas trop mon truc, hein, je vais pas vous mentir. Les FPS... sur cette machine, mais en tout cas Outrun 2 je dirais que c'est pour l'instant le jeu sur lequel je me suis le plus éclaté, parce qu'en soi il y a certains jeux j'attends d'avoir une Xbox One vraiment pour y jouer très longtemps, approfondir tout ça, et là avec la Saturn et la Dreamcast je suis plutôt dans une approche arcade, donc là sur la Xbox je privilégie plutôt les jeux arcade, et pour moi le summum de l'arcade sur cette console pour l'instant c'est Outrun 2. Vous remarquerez que souvent c'est les jeux de course que je retiens, hein, sur la Saturn c'est Sega Rally que je retenais, que je ressortais régulièrement. Sur la Dreamcast, c'est plutôt Crazy Taxi. Là, c'est Outrun 2. Et Outrun 2, voilà, un jeu que j'ai chopé à 3 balles et qui est excellent dans son, dans ses musiques, dans ses graphismes, dans sa fluidité, dans ses environnements, dans son gameplay, les dérapages. C'est un plaisir à parcourir. J'aimais pas trop Outrun 1, qui est d'ailleurs présent dans le jeu aussi, tu peux le déverrouiller. Mais Outrun 2, un plaisir à parcourir. C'est le jeu qui me donne le plus envie à chaque fois de rebrancher ma console. Et là vous dites, oui, bah à la limite, pas besoin d'acheter une première Xbox, même ça coûte pas très cher, pas besoin d'acheter la première Xbox pour jouer à certains de ces jeux-là, la Xbox One ou même la Xbox 360, que beaucoup plus de gens ont eu, t'as beaucoup de jeux qui sont rétro-compatibles. Bah déjà, pas tous les jeux première Xbox sont compatibles sur 360, et par exemple, j'ai testé Outrun 2 sur la Xbox 360 de Micox, le jeu parfois fait des chutes de framerate incroyables, genre tu passes à du 2 images secondes sur certains virages, t'es quoi ? Alors que sur la première Xbox, c'est en 60 FPS tout le temps. Donc parfois, c'est pas totalement optimisé pour la rétrocompatibilité. Mais par contre, sur la Xbox, sur mon tube cathodique, avec le câble RGB, alors là, mais c'est monstrueux, c'est très agréable. Et tu te dis, c'est vrai qu'on a passé un cap après la Dreamcast, quoi. C'est un peu l'aboutissement. Et puis, t'as même certains jeux, genre je passe Soul Calibur, que tu peux faire en HD même. Ils sont en 720p sur la première Xbox, ce qui est assez incroyable. Sinon on peut parler de la manette, c'est aussi ça un truc
qui me passionne le plus avec les vieilles consoles, c'est de jouer vraiment avec la manette d'origine. C'est pour ça que je me laisse avoir par toutes les rééditions des consoles mini, ne serait-ce que parce que t'as une réplique neuve de la manette d'origine. La manette de la première Xbox, la Xbox Duke, qui a même été rééditée sur Xbox One par un constructeur tiers allié à Microsoft, justement pour ressortir cette manette pour la Xbox One, pour justement les jeux rétro-compatibles, donc c'est pas mal. Mais moi là, j'ai la version originale et pour moi, c'est un peu un mème cette manette. Elle est super grosse, tu te dis putain, mais qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est pas ergonomique. Mais pour le fun, t'as quand même envie d'y jouer quoi, parce que ça fait partie de l'histoire de la première Xbox. Et puis je la prends en main, je joue à Outrun 2 dessus, la manette elle vibre bien, les gâchettes analogiques passent bien quoi, les sticks sont bons, et en fait je m'éclate dessus, et je suis en mode mais en fait cette manette c'est pas du tout de la merde, elle est même trop stylée, elle est grosse, mais elle se prend vachement bien en main, et contrairement à un Wii U Gamepad qui lui est encombrant je trouve, en ce qui me concerne, et fatigant à la longue. Bah là c'est pas du tout le cas, elle est grosse ok, et elle change pas mal avec toutes les autres manettes qu'on a l'habitude de voir, mais en fait je m'y retrouve là-dedans. La manette Dreamcast était grosse aussi, et là du coup il y a une petite continuité. D'ailleurs il y a les deux ports pour les cartes mémoire, un peu comme la manette Dreamcast. Il y a quatre ports manettes comme la manette comme sur la Dreamcast. Énormément de similitudes avec la Dreamcast, sauf que la Dreamcast est bien plus petite que la Xbox. Mais en tout cas, la Xbox n'utilise pas vraiment les cartes mémoire, ça sert à rien, puisque t'as une mémoire embarquée sur la Xbox, un peu comme la Saturn, où tu peux sauvegarder tous tes jeux, t'as un disque dur de fou. Pour beaucoup, à l'époque, c'était un vrai petit PC, quoi. Un PC puissant, et beaucoup de hackers ont bidouillé la machine pour installer plein de trucs dessus. Je sais que je vous en parle parce que la communauté pirate un peu, je crois, sur... je sais pas comment on peut appeler ça, sur la Xbox, c'était assez... productive. Moi c'est pas trop ce qui m'intéresse parce que bon, je veux juste jouer aux petits jeux que je chope comme ça à droite à gauche, donc j'ai pas besoin d'installer des émulateurs dessus, j'ai déjà toutes les machines qui permettent de faire tourner des émulateurs, donc j'en suis pas là. Mais ouais, il y a plein de choses à faire avec cette machine, et cette manette, ouais, en fait, bah, je la kiffe. Je joue avec et c'est super agréable. Moi j'aime beaucoup cette manette, mais après bah, j'ai quand même pris la manette S, je crois, le contrôleur S, donc une version plus petite qu'ils ont sorti pour le marché japonais, parce qu'ils se sont dit, mais attends, la manette elle est beaucoup trop grosse, les japonais jamais ils arriveront à jouer avec ça. Et d'ailleurs, je me souviens, la première fois que j'ai joué à la Xbox, c'était peut-être quand j'étais petit, et j'ai joué chez un pote, un américain justement, surtout aux États-Unis, du coup ils sont assez chauvins et les marques de leur pays ça leur plaît. Donc c'était un mec américain, mais qui était en France et qui avait la Xbox, c'était le seul pote que je connaissais qui avait la Xbox. Et qu'il y avait un jeu Shrek, et on jouait à Shrek dessus, et on a joué avec ces manettes là. Et moi j'avais des petites mains à l'époque, je vous parle de ça, ouais ça devait être 2003 quoi. Je jouais dessus mais je galérais à atteindre les boutons, je me rappelle j'utilisais mon index, j'avais limite ma main qui était comme ça sur la manette pour réussir à faire quelque chose. Du coup j'en gardais ce souvenir de cette manette injouable. Mais aujourd'hui que j'ai grandi, que mes doigts aussi, un plaisir. Mais je pense que beaucoup de gens préféreront quand même la manette S, qui se rapproche un peu plus d'une manette traditionnelle sur ce qui s'est fait par la suite, sur la 360 et sur les autres machines. Plus petite, elle se prend bien en main. Bon stick, bonne croix, meilleure, croix un peu meilleure quand même que celle de la première Xbox, qui est un petit peu bizarre, si on peut appeler ça une croix. Non, sympa la manette de la première Xbox. La deuxième manette de la première Xbox, mais en y jouant je la trouve un peu classique en fait. La disposition des boutons comme ça en losange, bah, comme ce qu'on voit partout, je la trouvais moins atypique, et finalement je kiffais plus les vibrations quand je jouais à Outrun 2 qu'on jouait sur cette manette. Il y a plus de jeux, je préfère y jouer là-dessus. Donc finalement la manette que peut-être tout le monde préfère, enfin qu'une bonne partie des gens préfèrent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette manette Duke. Bon, du coup j'en fais partie, bah, je préfère jouer là-dessus quoi, la première Xbox. Quitte à faire un trip dans le temps, autant le faire jusqu'au bout. Ensuite, bah, y a d'autres jeux de ouf qui sont sortis sur la Xbox que je peux pas vous présenter là. Mais pour m'intéresser encore à Sega, bah, faut se dire qu'il y a beaucoup de jeux de la Saturn, enfin de licence Saturn, bah, qui ont continué du coup
sur la Xbox, bah là je vous ai donné l'exemple de Panzer Dragoon Arta, mais des jeux de la Dreamcast qui ont une suite sur la Xbox. Il y a eu Crazy Taxi 1 et 2 sur la Dreamcast, je crois que le 3, Crazy Taxi 3 est sorti en exclusivité sur la Xbox. Jet Set Radio sur la Dreamcast, la suite exclut Xbox, Jet Set Radio Future. Shenmue 1 et 2 sont sortis sur Dreamcast, Shenmue 2 est sorti sur la Xbox. Et faire Shenmue 2 sur la Xbox, c'est quand même... Rien que ça, ça offre un bon gros jeu de ouf à la console. Et aux États-Unis, il faut savoir que Shenmue 2 n'est pas sorti sur Dreamcast. Donc aux États-Unis, vraiment, Shenmue 2 est une exclusivité Xbox. Et voilà, il y a plein de trucs à se faire dessus. Il y a d'autres jeux de course de chez Sega, je crois, Sega GT, Sega GT Online. Sur la Xbox, il y a pas mal de online. Ça a continué vraiment l'ère de la Dreamcast, ce qu'avait voulu entreprendre la Dreamcast avec le jeu en ligne. Le début du Xbox Live, finalement une console passionnante. Il y a quelques années, j'aurais pas considéré que c'était vraiment du rétro gaming. Et puis les jeux n'ont pas tant vieilli que ça en fait. Graphiquement, ça reste quand même très agréable à l'œil. Beaucoup de jeux sont bien plus beaux que ce que tu peux trouver sur la Wii. Et pour la... il y en a encore qui chialent pas trop quand ils voient les graphismes de Wii. Et puis c'est le rétro gaming qui coûte pas encore trop cher. Même si je vous ai dit, il y a certains jeux, Panzer Dragoon, Shenmue 2, Jet Set Radio Future qui cotent un peu plus que les autres, quoi. Bah, tu peux quand même bien t'amuser dessus. Et puis voilà, les autres exclusivités Microsoft, moi j'ai bien envie de tester les jeux Fable. Peut-être essayer Halo 2, qui apparemment est vraiment au-dessus du premier. Mais bon, vu que le premier n'est pas trop marqué. Il y a Zelda Scrolls 3, Morrowind. Que je pourrais me faire. C'est-à-dire que si j'ai une Xbox One, je pourrais jouer à Elder Scrolls 3 Morrowind, je pourrais jouer à Oblivion, je pourrais jouer à Skyrim, tout sur la même console avec les boîtes et les CD d'origine, ça peut être marrant. Bref, j'aime beaucoup cette console. De par son côté arcade, fun, et de par les gros jeux solo qu'elle propose aussi, des jeux sur la durée, des jeux d'aventure, des RPG, il y a plein de trucs. Je pensais à un truc là, et j'ai oublié. Donc on va faire une transition jusqu'à ce que ça me revienne. Ah voilà, c'est bon. Ce que j'aime bien avec le rétro gaming, c'est que tu retrouves une continuité au fur et à mesure des consoles, surtout au sein d'un même constructeur. Je trouve que Sega, c'est passionnant de voir comment les consoles ont évolué, parce qu'il n'y a pas eu assez d'énormes changements entre chaque console. Donc en fait, tu vois vraiment comment progressivement les jeux sont devenus un petit peu plus 3D, avec une 3D un peu plus approfondie. Et le problème, c'est que quand tu arrives comme ça sur le marché, comme nouveau prétendant pour Microsoft avec ta première console, bah tu arrives avec des exclusivités, mais c'est le début de tes licences. Du coup, tu peux pas te rattacher à certaines... à une histoire passée, quoi, parce que c'est ta toute première console. Donc je trouve que la Xbox, à la fois, incarne un renouveau dans le jeu vidéo avec des nouvelles licences qui sont arrivées, et Microsoft qui est toujours là, malgré tout, malgré les difficultés, face à la PS2, malgré le succès avec la 360, malgré l'échec au début de la Xbox One, mais là qui commence à remonter. L'histoire de Microsoft est quand même assez intéressante dans le jeu vidéo, et je pense qu'ils vont pas arrêter le jeu vidéo tout de suite. Mais en tout cas, dès la première Xbox, on pouvait déjà voir une continuité avec les jeux de Sega. Il y avait une suite logique dans les jeux qui s'enchaînent, et c'est pour ça que quand je prends là ma console et que je renifle, et ben je sens l'odeur de Sega, l'odeur que je retrouvais sur la Saturn, l'odeur que je retrouvais sur la Dreamcast, et c'est ça qui me plaît bien. Dites-moi si vous avez déjà eu une console Microsoft. C'est vrai qu'on s'intéresse au rétro gaming, c'est pas forcément une console qui revient sur la table. Déjà parce qu'elle ferait casser les pieds de la table, hein, de par son poids. Mais moi, ça a été une première en 2018 de me prendre la première Xbox. Et ça va peut-être ouvrir le pas par la suite pour que je me prenne la Xbox One. Je prendrai pas la 360 parce que j'ai joué assez chez des amis et j'ai eu ma dose en quelque sorte de la manette, des menus, tout ça, bref. Mais par contre, la Xbox One, pourquoi pas? Vous, est-ce que vous avez eu des consoles Microsoft, et quel jeu vous retenez sur la première Xbox? Est-ce qu'il y a des exclusivités que j'aurais oublié de mentionner ici, mais qui valent leur pesant de cacahuète? Je vous invite, si vous voulez avoir plus de RM qui parle sur les consoles de chez Sega, à voir mes précédentes vidéos sur ma chaîne, sur la Saturn, sur la Dreamcast. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et ciao !